Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose aujourd'hui une recette de poisson aux légumes cuit au four. Une recette fabuleuse, très délicieuse, idéale pour les gens qui sentent en régime. Vous étiez nombreux à me demander des recettes de régime. Alors ce repas est vraiment fait. Pour vous, je vais vous proposer aussi des idées d'accompagnement avec. Je commence par couper euh, les poivrons en petits morceaux. J'ai choisi des poivrons multicolores. Vous pouvez très bien mettre des poivrons verts. Ce n'est pas un problème. Vous choisissez ce que vous avez chez vous. Je mets le tout dans un plateau qui va au four. Ensuite, moi j'ai choisi de la dorade royale. Je mets le poisson sur les poivrons. Je le coupe au milieu pour bien incorporer la marinade. Bien sûr, il faut préchauffer le four à 200 degrés, 10 minutes à l'avance. Je mets un mélange de poivre, le cumin, le poivre noir, le paprika, de l'huile d'olive. Je mets un peu de sel. Si tu es nouveau à visiter ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche. Très important d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Comme ça, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous recevrez la notification. Je couvre avec du papier cuisson, ensuite du papier aluminium. Évitez de mettre le papier alu en contact avec les aliments, comme on c'est toxique et je mets au four pendant 40 minutes à 200 degrés. Comme accompagnement, je vous propose le chou rouge ou blanc, c'est comme vous voulez. Je le coupe en petits morceaux. Si vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas le like. Je compte sur vous. Vos likes m'encouragent énormément. Toujours, toujours, laissez-moi aussi vos commentaires, vos suggestions dans euh, les commentaires. Vous étiez nombreux à me proposer, à me demander des recettes, mais je fais euh, petit à petit. Voilà, à chaque fois, euh, je fais une recette que vous m'avez demandée. Je mets à cuire à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. Le poisson est cuit. Ce que je vais faire maintenant, je râpe deux gousses thaï. Je les laisse en dernier pour qu'elles gardent sa saveur. Et je mets des tranches de citron sur le poisson. Et je remets au four pendant 10 minutes. Une fois que le poisson est prêt, je le retire. Et je verse les choux pour qu'elles prennent la saveur de poisson. Ça s'accompagne très très bien et croyez-moi que cette recette est vraiment très très délicieuse et facile à préparer. Dans un plat de présentation, je vous propose aussi des brocolis. Les brocolis, je les ai fait cuire à l'eau salée pendant 10 minutes. Il faut avoir quand même un petit légume vert. Et j'ai aussi accompagné ce repas avec du riz aux champignons. Voilà, ça s'accompagne très très bien. On a des choux, des poivrons, des brocolis et du riz. J'espère que cette recette d'aujourd'hui vous a plu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt dans une nouvelle vidéo. A bientôt!